Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the English news channel from Djibouti. We will begin with the headline, the great news. The president of the Republic's Excellency, Mr. Ismaïl Omar Guelleh, returned to the country this evening. On continental news, we will see about the COVID-19, who approved the Indian COVID vaccine, Covaxin, for use. Welcome if you join us. As I said in the title, the President of the Republic's Excellency, Mr. Ismaïl Omar Guelleh, returned to the capital early the Thursday evening after a private visit to France. The head of state was welcomed at the airport by a large delegation headed by the Prime Minister, Mr. Abdelkader Kamel Mohamed, and the member of the government, the parliament, and the office of the President of the Republic. Delegations from the World Bank, including Mr. Paul Numba, regional directors for the MENA, Middle East and North Africa, and Mr. Boubacar Sid Barry, representative of the World Bank, was received by the Minister of Budget, Mr. Abdul Karim Adashar. During the visit, the regional director of the World Bank, during that visit, he discussed with the minister the update and the infrastructure project that our country will be able to undertake with the assistance of the honorable institutions. This includes the Digital Djibouti project, which will lay the foundation of digital technology and aims to transform the telecommunication and the ICT sector to enable the development of digital economy accessible to a greater number of citizens. The citizen and the businesses for quality services. Still the framework of expansions of mobile payment, the Minister of Communication in charge of post and telecommunication supervised this morning the signing ceremony of partnership between the management of the D-Money and the startup Duday at the headquarters of latter located the city Hadan in Balbala. Initiated by the director of Djibouti Telecom, Mr. Mohamed Asowa Bouh, and the director of the startup Yuma Sasaki, through the Duday startup also joins Djibouti's telecoms partners in this new challenge, which is the implementation of the electronic wallet. The partnership, which aims at innovations, will allow to the users of the services offered by the Djibouti startup Duday, which are the sale of innovative and high quality solar kit designed for the Djibouti populations who do not have access to the electricity. Je suis très honoré aujourd'hui de pouvoir assister à cette cérémonie à laquelle le jeune entrepreneur japonais lance un projet conjoint avec son partenaire Djibouti Telecom ici. C'est un grand plaisir pour moi que leur travail apporte de la lumière à la vie du peuple djiboutien. Depuis l'indépendance de la République de Djibouti, le Japon accompagne toujours son peuple. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, c'était à travers de l'aide publique au développement apportée le gouvernement du Japon. Je souhaite qu'une collaboration par le secteur privé japonais multiplie
à l'avenir. Depuis 1993, le Japon organise le TICAD, Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, et continue à soutenir le développement du continent africain. The minister stressed the importance of the partnership, which aims at the innovations and allow the users all the service that they need. La République de Djibouti entend plus que jamais réussir sa transformation digitale indispensable à son essor économique et le maintien de la position de hub technologique de l'Afrique de l'Est, comme indiqué dans notre stratégie nationale, la vision Djibouti 2035. Les technologies de l'information et de la communication sont un moteur pour le développement et occupent aujourd'hui une place essentielle. Une corrélation réelle existe entre le développement du numérique, le niveau d'éducation, d'équipement et de revenus. C'est dans cet objectif que le ministère de la Communication, chargé des postes télécommunications, aux côtés de Djibouti Telecom et d'e-money, œuvre pour la promotion des transactions numériques. Les innovations offrent des possibilités accrues d'amélioration des systèmes de paiement et Djibouti Telecom, avec d'e-money, met à la disposition de nos concitoyens un mode de paiement fonctionnel et accessible. C'est pourquoi le partenariat que Djibouti Telecom d'e-money signe aujourd'hui avec la start-up Dodai est la parfaite illustration que des synergies communes dont l'innovation peut être rendue possible l'accessibilité à des services de base comme l'énergie à une frange de la population qui en était exclue. Je suis fier en ma qualité de ministre en charge des technologies de l'information et de la communication de pouvoir assister à cette belle initiative de la start-up Dodai que je félicite et remercie chaleureusement pour sa contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens le moins favorisé. Je félicite également le directeur général de Djibouti Telecom et l'équipe d'e-money pour leur réactivité à accompagner la concrétisation d'un tel projet. Le gouvernement de Djibouti œuvre inlassablement à assurer un bien-être à sa population, y compris et surtout celle la plus démunie. C'est en ce sens que le partenariat d'aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans nos priorités nationales. The director of the d-money also expressed her satisfaction of the signing ceremony and thanked the minister of the communication and all the delegation to take part at this opportunity. iyo safiirkii Djibouti ba loo wala safiirkii Japan ee Djibouti noo u jooga ay wala jooga ya vestisero in kala saxeex ba maanta in xagan ka dhacay kala saxeexaasi muxuu yahay kala saxeexaasi waxa weeyaan shirkadan xaga afka qalaad lagu dhaado startup kan Dodai oo tamarta in kaawiga cadceeda ku socota iyo qalab la socda in magaalada Djibouti imika iib gelin doona ayaa iyo in shirkadda Djibouti Telecom waaxdeedan Nadiimani in ka masuulka ahay ay kala saxeexanayeen ee Nadiimani xaggey hawshan ka soo galeysa Nadiimani hawshan waxay ka soo galeysa waxay u fududeynaysaa bulshadii inay ku bixin karaan telefoonkooga oo wixii moneygi elektroniigi ama money numerigi afka qalaad lagu oranay ku bixin karaan tukalana way u fududeynaysaa kale u fududeynaysaa waxay tahay inay dadkaasi ay awoodaan inay ku bixin karaan maalba karaankoogu siduu yahay in bishii uun inaa laga sugay ay yimaad inay bixiyaan maaha qofku nolol maalmeedkiisii isaga ishabaynaya maalintii kase wuxuu ku soo diri telefoonkiisa wixii itaalkiisa ahaa systemkan technologiga maanta digitalkan wuxuu fudaydinayaa inuu qofkii koontkiisii lacagtii xagga ugu soo dhacdo oo ay shirkadii doodayna iyadooba in a distance amba meel ka dheer joogto ogaato qofkii inuu lacagtiisii bixiyay oo systemkii aanan koraanka laga goynin alaabtan qalabkani way isku wada xidhan yihiin hadduu qofku bixin waayo systemku wuu ka goynayaa marka annagu haddana dhankii telecom nahay iyo d-money fursadaabaan u fudaydinay shirkadan Dodai inay dadka ay u fudaydiso iyaguna siday lacagtii ugu bixin kari lahaayeen iyagoo maanta ay xaggan balbala ay ka furteen shirkadooda ay hodan ku dhex yaaliin laakiin ninka qofka jooga Bekaduus amba Warabeley uu ka soo bixin karaa lacagtii isaguna xaggan ay aabad isa soo tacdiibin oo iman.
Djibouti will host soon the International African Textile Exhibitions, which name CETA, which is a showcase for the promotions and enhancement of the African made, the Secretary General of the Ministry of Trade and Tourism made an important statement about that. Mr. Ismaël Omar Guille, donné son accord et son aval pour pouvoir accueillir la 7e édition du Salon international textile africain du 10 au 13 novembre, effectivement. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer personnellement mon enthousiasme et ma joie et ma fierté de pouvoir accueillir un tel événement dans notre pays. Et nous ressentons également un engouement et un enthousiasme de la part de la population djiboutienne à accueillir et à recevoir nos hôtes, car il s'agit de recevoir des délégations de 32 pays africains. Et ça sera également une occasion de plus pour prouver la culture d'accueil de nos populations dans l'accueil et la recevabilité des hôtes sont légendaires et connus. D'autre part, pour revenir à justement la préparation de l'événement en soi, effectivement, nous travaillons dès l'instant où les autorités ont exprimé le souhait d'accueillir cet événement-là. Nous sommes entrés directement en relation de travail avec l'organisation elle-même, car il s'agit, et il faut le savoir, le CETA est une organisation. C'est vrai, vous l'avez souligné, notre secteur du textile n'est pas, très développé. Il n'est pas inexistant, mais il est en train de se structurer, de s'organiser. Donc déjà, pour notre secteur, c'est une bonne occasion pour pouvoir impulser une dynamique au niveau de l'entrepreneuriat, peut-être toutes les difficultés, tisser, nouer des relations. Mais il ne faut pas uniquement se limiter à la nécessité d'avoir un secteur du textile développé. Notre pays est une place commerciale de premier choix. Notre pays est considéré comme étant un hub régional commercial. Notre potentiel logistique n'est plus à prouver. Mais en plus, il y a une nouvelle donne. C'est notre officielle adhésion à la grande zone de libre-échange continentale africaine. Le président de la République a soumis les instruments juridiques d'adhésion à l'Union africaine lors du dernier sommet de l'Union africaine. Donc, cette occasion unique est de montrer non seulement de confirmer cette porte-volonté politique qui a été exprimée à travers cette adhésion sur le terrain. Quels seront les avantages que vont tirer tous ces pays-là, ou toutes ces sociétés-là qui vont se déplacer au niveau de Djibouti? Ils vont prendre connaissance du potentiel de la place commerciale, et cela va entrer dans leur stratégie commerciale. Pour Djibouti, comme dans la plupart des événements, c'est une occasion unique, puisque pendant 4 jours, les caméras et les projecteurs sont braqués sur notre pays. Et c'est un événement à dimension continentale et, bien sûr, internationale. As part of the UNFPA
FGPA funded project to fight against female genital mutilation and sexual and reproductive health. The Union Nations of Djibouti Women's organized an intercommunity meeting. The UNFD, which is Union National for Women of Djibouti, organized the intercommunity meeting on November 1st in Tadjoura. The meeting were part of the overall framework of the awareness raising project on the issue of the FGM and gender-based violence. The objective was to contribute to improving the knowledge of the inhabitants of the consequences of female genital mutilations. annaga oo ka soconaa aan ururka hooyooyinka ee marwada koobaad ee dalka madax ka tahay ee hooyo Khadra Maxamuud Xayid si aad u qurux badan ayaa idin salaamayaa sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen gudista gabdhaha loo geysanayo in badan baa laga soo falanqeeyay muddo sanadoodin badan oo aan idhaahday 1980-kii ayaa la bilaabay la dagaalanka loo geysanayo guditaanka hablaha yar ilaa iminkana lagu xal jiraa la dagaalankeega markaa waxa weeyaan shaqo aad u fara badan ayaa la soo qabtay waxa weeyaan ururka hooyooyinkuna sida aad wada ogsoontiin waa ururkii u horeeyay ee madaragtay ka soo hadlay amba ka shaqeeyay amba madaragtay la dagaalamay gudista gabdhaha loo geysanayo markaa shaqadaas waxaan leeyahay ma fududo waa in badan wax weeyaan waxa laga soo shaqeeyay laakiin madaxdarujeeda resultaagii amba najitadii waa la gaaray baan u maleynayaa oo prevalence-ku maanta amba gudistu maanta aad ayay u dhaadhacday iyaan leeyahay laakiin caadadaasi waa caado aad u fool xun weeyaan waa caado aad u dhibaateynaysa qofka maadaragtay bini-aadanka marka jirkeennana dee waxa weeyaan wax xaaraana kol ay kuma taalo oo meel xaaraana oo la goynayaa ma jirto. And now let's move on the national issues. The World Health Organization yesterday granted emergency, approved the co-vaccine, anti-COVID vaccine, the first to be fully developed in India, and the eighth to receive the previous CSAM. The vaccine 78% effective is recommended for all age group from 18 years upwards. It's required 2 doses 4 weeks apart, but is particularly well suited to low and middle income countries because of the ease which can be stored, according to WHO statement. It's the first vaccine developed and manufactured entirely in India and to be licensed by the UN agency. It joins the other vaccines such as Pfizer and Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, and other. The announcement comes as the official threshold of 5 million deaths from COVID-19 has just been caused the real death toll from the disease, which was detected in late 2019. And from the other things, especially the sport issues, Liverpool take advantage of Atletico Madrid's absence and the fact that they were reduced to 10 men in the first half to secure their place in the last 16 of the Champions League with an emphatic 2-goal win. Here we arrive at the end of this news edition. Thank you for watching us. Goodbye.